Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour le dernier épisode de Timberborn avec les bestioles, les rustiqueuses. Bon, j'ai laissé défiler un peu pour essayer de faire remonter les ressources, c'est limitless, hein. Je vais pas vous mentir. Alors on a une dèche d'écrou qui a empêché la machine de prendre le pas sur l'homme, hein, très clairement. Donc j'ai recréé de l'industrie ici, on arrive enfin à voir un niveau de planche existant. Ouais, ça dure pas longtemps, hein, c'est vraiment... Ça fait une planche, ça craque, direct. Donc je pense qu'il va falloir générer beaucoup plus de planches, beaucoup plus d'écrou, et surtout, le monde ne nous avait pas préparé à cela, mais figurez-vous... Ah oui, mais c'est parce que je crois que j'ai encore des constructions qui tournent. Attendez. Ouais, c'est ça, j'ai plein de constructions qui tournent. Là où le monde ne nous avait pas préparé, c'est que deux choses. Premièrement, j'ai été frappé trois sécheresses d'affilée qui sont très bien passées, surtout quand pour trop deux, bah, j'ai fait ça en loose en fait. Ou j'ai fait ça en loose, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je fais un petit réservoir là. Ça s'est bien passé. Ouais. J'ai même hésité à faire plus haut. Je me suis dit, c'est coquin. Donc là, d'ailleurs, je crois qu'on est post-sécheresse. Non, on est post-vague de flotte toxique, tout ça, tout ça. Ah oui, ça faut le remonter. Hein. Terminé. Hein. Fini les bêtises. Hein. Ah, quoi que. Attends, là, on a plus d'eau. On va essayer de se remonter un peu en eau ici aussi. On va avoir de l'eau un peu partout. Vas-y, vite, 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 vite. Ouais, ouais, comme ça, ouais, à peu près, ouais. Ouais, ouais, à peu près. C'est à peu près ce qu'il faut. Voilà, ça va gonfler les niveaux. Parfait, tu fermes. Et hop, terminé. Je mets à 0,5, c'est très bien. Si on a une goutte d'eau qui passe de l'autre côté, c'est merveilleux. Et puis voilà. Hop, on a une petite goutte d'eau qui est passée. C'est très mignon. Voilà. Donc la triple sécheresse qui a mis à mal la puissance industrielle, hein, puisque tout s'est arrêté. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, je construis pas de robots. Et surtout, pendant cette vague-là, tous les anciens robots ont cessé de fonctionner. Donc je me suis retrouvé avec, littéralement, bah, j'avais une masse de chômeurs ici, voyez-vous. Maintenant, il manque des travailleurs. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Donc là, ça veut dire qu'actuellement, il y a des jobs qui sont pas occupés. Bon, on peut y remédier d'un certain nombre de façons possibles. Hein. Hop. Par exemple, je pourrais tout à fait mettre ça comme ça. Non, on va rien faire. On va rien faire. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en faire plus. 14 jobs non occupés, mais l'objectif, c'est de finir par les faire occupés par des machines. Donc, genre là, ça a cessé de fonctionner. Même des bûches, on n'a plus rien. On n'a plus de bois, on n'a plus rien. C'est une catastrophe. J'ai deux castors, là. Ils peuvent bosser là-dessus. Hein. Tac. Ça c'est déjà un bot. Ça c'est déjà un bot. Ça c'est déjà un bot. Ça aussi. Ok, parfait. Ça va ? Pas un bot. On a de la planche. Vas-y. Vas-y, vas-y. Deviens une machine. Voilà, donc là je suis en train de remonter un peu les effectifs. Et donc, deuxième grand drame, c'est concernant cette zone-là. En fait, là, si on veut bien faire les choses, il faudrait que je déplombe tout cet endroit. Je récupère tous les métaux, toutes les planches, tout le bazar, tout ce qu'il y a dessus, quoi. Pour, en fait, plomber cet endroit. Voilà. Puisqu'effectivement, j'ai beau élargir ou faire ce que je veux, le courant veut impérativement passer par ici. Donc, l'autre technique que j'aurais pour l'empêcher de passer par ici, ça serait... creuser pour faire un dénivelé tout le long, l'abaisser de 1 le niveau, comme ça l'eau quand elle arrive ici, elle se dit miam miam miam, je passe par là du coup, parce que lui serait plus haut, voilà, genre lui je le garde à ce niveau là, ici je pète une tranchée, tatatata, je fais un trou, et à partir de là je continue mon trou, du coup l'eau ici le niveau est plus bas donc elle va se déverser naturellement par ici, voilà. Ce qui permet, si je garde celle-ci plus haut, après d'éclater par exemple à la dynamite pour dire « vas-y, je refais une ferme ici si je veux ou pas », ou mettre une foresterie ou ce qu'on veut, ou même rien du tout si on veut.
c'est pas trop le problème, mais voilà. Donc ça m'obligerait à partir dans des gros travaux, des gros épisodes, ça serait encore très long pour globalement avoir vu tout le jeu. Hein. Donc voilà, c'était un peu... Là je fais un peu cet épisode du coup pour conclure hein, les conséquences, les tests. Voilà, donc même quand je veux forcer le courant à passer par là, ça refuse, ça déborde ici, ça déborde par là, ça déborde partout, c'est un enfer, ça veut pas aller par ici. C'est pas son sens de descente, du coup je suis un peu douillé. Voilà. Donc tout ça c'est des machines. Toi tu es une machine? Tu n'es pas une machine. Fabriquer de la planche. Stock de papier, putain j'ai beau fabriquer du papier, il disparaît instantanément, c'est vraiment... Non je vous jure j'ai pas recommandé d'explosifs, hein. Ça s'est très bien passé. Hein. Ah oui ils ont construit mon truc, oh. Ça c'est cadeau, hein. Ça les gars récupèrent hein. Du rondin des planches, là, c'est cadeau, c'est vraiment c'est moi qui vous les offre. Hein. Tout le matos disparaît instantanément tout le temps. Et rien ne se construit, hein. C'est surtout ça le plus beau. Ah si, ça ils me l'ont construit, c'est mignon. J'ai même laissé un escalier pour la suite. J'avais vraiment trop de bois. J'ai vraiment cru que j'avais trop de bois à un moment donné, je crois. J'ai pris la confiance sur le bois, voilà. Bon, pour une partie test, de toute façon, c'est plutôt bien débrouillé. Ouais. Ça sort bien. Je suis pas mécontent. Une machine. Il y a plus de métal à presser. Alors, de manière générale, s'il n'y a plus de métal à presser, je pourrais peut-être mettre des castors. Des vrais castors. Et pas des machines. Si c'est pour glander, je vois pas trop l'utilité de faire tourner un gars. Quoi. Ah, il attend sa ferraille, ok. On est en déche de camionneur. Donc bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire, tout ce qu'il y avait à voir. Enfin, je pourrais me faire un... Si je pourrais quand même me bricoler un petit comme ça, vite fait. Juste pour ajouter ce qui manque de population. Voilà. C'est très joli. Les gens adorent. Les gens sont fans. Est-ce que je vous mettrais pas un petit épouvantail de la décoration? Un petit caster parti. Et c'était où rangé où ça déjà? Ah ici. Bon mon cerveau il a freeze. Voilà. Après évidemment on peut mettre des choses. Oh, je vais manger du papier là pour faire ça. Ouais, je suis vraiment fou. Bon, le mec il a cru qu'il avait du papier quoi. Incroyable. Incroyable mais vrai. Allez hop. Une autre machine là-dessus. Bon bah ça repousse doucement mais sûrement. Hein. Mais ici c'est toujours un vrai castor. Ici c'est toujours un homme machine. C'est toujours Roboman. Roboman. Ok. J'ai pas l'impression que mettre un robot change vraiment quelque chose. Niveau coupe de bois, je suis comment? Je suis bon là, je me suis remis en position originale. Ok. Bon, le jeu il a eu un petit temps. Ah, il manque déjà un robot, c'est déjà un drame. Ah ouais... Oh non mais les teutes... Oh non mais ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous. Ils sont fous ces casters. Ils construisent des trucs hein. D'ailleurs en parlant de construire des trucs... je crois qu'il faut que je priorise, voilà c'est ça. En termes de priorisation des lois du marché... ça... ça, ça c'est en dernier... Voilà. Ça c'est pas mal de le faire aussi hein. Hein, on pense que du bien, non? Parce que eux, ils sont partis pour me faire... tac tac, 15 blocs de métal, ok, ouais.
sont un peu dépêchés de tout faire. Ouais, j'ai rajouté un étage. Comme ça, j'ai oublié de préciser, oui, j'ai rajouté un étage, tout à fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Le mec qui bosse là, il travaille tellement loin de tout. 131 blocs en vrai. 134 ici. Et toi, t'as combien? 119, hein. C'est vraiment lui qui travaille le plus loin. Peut-être toi, si, peut-être toi. Combien? 127. Le mec qui bosse là, il est à l'autre bout du monde. Officiel. C'est officiellement l'autre bout du monde pour lui. Avec déjà, on est dans les 76-74. C'est déjà considéré comme étant très loin. Ah là là, liaison affectueuse. Bon, je pense pas que ça sert vraiment à quelque chose d'aller plus loin sur cet épisode. Hein. Voilà, j'ai deux robots supplémentaires, c'est très mignon. On a vu tout ce qu'on voulait voir, quoi. Je pense que il nous reste quoi, les jobs à déverrouiller en disant, ok, à partir de maintenant, c'est des robots qui bossent dessus. Pas sûr de la... de l'utilité flagrante du truc. Ça, je l'ai déjà débloqué, de toute façon. Regarde, je crois que j'ai globalement à peu près tout débloqué. Peut-être pas les fermes. Peut-être pas fait pour les fermes. Si, c'est fait aussi. Ah oui, j'ai pas fait. Allez hop, c'est fait. Donc voilà, faudrait le faire pour tous les jobs. Ça coûte hein, quand même. Hein. C'est des recherches scientifiques officielles. Ok. Tous les jobs, faut le faire. Bon, on va le faire pour tous les jobs. Let's go. Comme ça, on aura bouclé. La boucle sera bouclée. Bon, globalement, ici, je crois que j'ai débloqué sur toutes les industries. Peut-être pas les moulins. Voilà, peut-être pas les moulins. Tac, 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 tac. La boulange pâte. Et je pense que c'est à peu près tout, puisque sur l'eau, on a déverrouillé. Si, il y a éventuellement... toi. Je vais déverrouiller les hommes machines. Voilà. Ok, ça on rappelle, c'est pas les jobs, hein, c'est pas les jobby-joba les plus importants du monde. Tout est fait ici, les cueilleurs peut-être, les cueilleurs ça n'a pas été fait, si. Boucheron ça a été fait. Enfin, tout ça c'est le même destin, ça c'est fait. Pas de... ah, peut-être ici le médicamenteux n'a pas été fait. Oh putain, la machine qui fabrique tes propres médicaments, la tristesse quoi. Tu laisses jusqu'au soin de ta propre existence, tu le laisses à une machine, quoi. Oh, la dinguerie. Machine intelligente, hein, on est d'accord. Hein, je parle pas juste d'une grosse presse, quoi. Je crois qu'on a fait le tour des boulots, hein. Une sidérurgie, c'est fait. Les récupérateurs de métaux, ça avait été débloqué ça? Voilà, c'est fait. Tac. Roue génératrice. J'ai pas construit de roue génératrice. Une petite roue. Une petite roue. Une petite roue. Eh franchement, une petite roue. Franchement. Franchement. Est-ce qu'on n'a pas la place pour mettre... on n'a pas la place pour mettre une petite roue génératrice. Alors là, ça me débe. Ça me débecte. Ah, on a un peu trop collé serré pour mettre une roue génératrice. Hein. Il y a des trucs qui sont négociables. Hein. Je pense qu'on peut sortir des trucs. Ça peut se faire. Mais ça peut se faire à risque. Bon, c'est pas grave. Pas de roue génératrice. De toute façon, on peut pas faire tourner de castor là-dedans. L'observatoire, on l'a déjà. Je crois que j'ai débloqué les castors dedans. Le petit inventeur. Le petit inventeur qu'on en a plus, je crois. Avec sa petite toupie. On en a plus. Ouais, mais c'était déjà débloqué. Fuel, tout ça, c'est déjà géré par des bots, de toute façon, hein, c'est déjà terminé hein, pour les mortels. L'atelier de menuiserie, je crois que c'est celle-ci, elle est déjà castorifiée, elle est déjà machinisée. De quoi? Vous n'avez sélectionné aucune ressource, hein.
Je sais pas, qu'est-ce qui nous manque là? On a des bras? Je vois pas de bras. Fais-nous des bras. Ah oui, vous avez vraiment tout jeté là-dedans, quoi. J'ai l'impression qu'on en manque de bras. Normalement, c'est censé s'équilibrer. Je vais mettre des têtes, je vais mettre des torses aux effrois. Donc, je disais, ça c'est bon. La cabane du seigneur, c'est officiellement déjà géré, je crois. Ouais, c'est ça. Livre et papeterie, c'est déjà géré. Atelier d'engrenage, c'est fait. Foresterie, c'est fait. Sidérurgie, drapeau de bûcheronnage, tout est fait. Là-dedans, la ruche a besoin de personne. La boulangerie, on l'a faite. Le moulin à blé, on vient de le boucler. Le grill, ah, le grill... Si, le grill, c'est le petit bâtiment, je crois. Je crois que ça a été géré, c'est eux les petits... Hein. C'est les grilles, ouais, les grilles, c'est géré. Ferme aquatique, ferme. Et drapeau de cueillette, bien sûr. La plateforme à eau infectée, c'est géré. La centrifugeuse, c'est déjà une machine, je crois, qui même, de toute façon, fait fonctionner le truc, c'est ça. Pompe mécanique, n'ont besoin de personne, en Harley Davidson. Évacuation des liquides. C'est fait. Pompe à eau infectée, c'est fait. La grande pompe à eau, c'est fait. La petite pompe à eau, normalement, c'est fait. La petite pompe à eau, c'est fait. Tac, ce c'est que des maisons. Des transporteurs, des... Transporteurs et constructeurs, je crois que ça a déjà été basculé une fois en machine. Ouais, c'est ça. Époque de l'âge d'or, au moment où Skynet allait tout renverser avant la sécheresse. Heureusement, la sécheresse a sauvé, l'humanité. Dynamite, dynamite, on en produit ici, c'est produit, évidemment, c'est des machines qui produisent l'armement. Il n'y a que toi, je crois qu'on t'a pas basculé encore non plus. Ouais, hop, pas enfin, que toi non, parce qu'en fait on vient de voir qu'il y en a plusieurs que j'avais pas basculé. Ça c'est fait, là il n'y a rien à voir, et le reste il n'y a rien à voir, on a, s'il y avait un succès pour ça, on a déverrouillé toutes les sciences du jeu. Il n'y a pas de succès pour ça. Ou alors s'il y en a un, je l'ai déjà. Voilà. Donc, on peut se la sauvegarder comme ça. Hein. Hop. Hop. Ce qui va nous intéresser maintenant. Je reviens au menu principal. Et Titi Kessler. C'est. Voilà. Si vous souhaitez qu'on fasse une partie d'Enfer. Bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Moi je verrai si je suis motivé ou pas pour en faire une si jamais j'ai pas de réponse. Et où est-ce qu'on se mettrait quoi? Je crois qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais même plus de quelle map on vient. On vient de celle-là, je crois. Les plaines. Avec. Oui, c'est ça. Avec. Ça serpente comme ça. Qu'on a fait les plaines, voilà, je vous fais défiler un peu les cartes. Vous voyez s'il y a un truc qui vous plaît, qui vous chauffe. Qui vous donne envie. Un téléphone qui sonne. Un truc comme ça, quoi. Voilà, à vous de me dire, hein, ça peut être de tout petit diorama, hein, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Je vais défiler, si je... Oula, putain, c'est les bien rouge aussi. Hein. Les terrasses, ok. Et Vagabondage. Voilà. Voilà, voilà. C'était toutes les cartes. Si ça vous intéresse, donc, avec les dents de fer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Timberborn, et je vous dis à la prochaine, ciao.